attraper, ça veut pas dire qu'ils existent pas. Tu as bien raison, Lara. Mais ils préfèrent peut-être rester discrets. On dit qu'ils sont très féroces. Les Yétis ont juste l'air féroces. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas avoir froid tout le temps. J'aimerais pas ça non plus. Mais tu n'auras jamais froid, ma Lara, si tu n'aimes pas ça. Regarde! Henri, qu'est-ce que c'était? Lady Croft, Mayday, oui, Mayday! Ici Bravo Tango 229. On a perdu le moteur bâbord. On passe sur réserve auxiliaire. Est-ce que l'avion va s'écraser? Le moteur tribord ne répond plus. Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS, plus de gouverne, on perd de l'altitude. L'avion pique du nez! Allez, ferme les yeux, ma chérie. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hé, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà retenu? De Florence, c'est ça? J'ai opté pour chaîne en fin de compte. Mon mémoire verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comme le Olivier. L'ingénieur. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Inca, actuellement en ruine. Enchanté. Tiens, rends-moi service, vérifie ton PDA. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool, c'est étanche, comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Bien reçu. J'y suis, mais je vois pas de grimpeur. Oui, ben, je peux pas tirer à vue si je vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis y a personne. Je m'en dois une. Eh, je te jure. Et donc, il a surgi en se balançant? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de saton. Magnifique, non? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop petit pour la caméra, là. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes armés. Des mercenaires, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des ennuis. S'y attend, plus c'est douloureux. Débutant. Lara, as-tu trouvé de quoi faire du feu ? Qu'est-ce que tu... Non! Recule! Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dans la lumière. Reste ici. Qu'est-ce? Qui êtes-vous? Quoi? Comment ça, ma fille? Laissez-la tranquille! Elle n'a rien fait!
Lara Croft. J'ai toujours voulu vous rencontrer. Repos. On va discuter. Je vous écoute. Vous en avez trouvé un morceau ? C'est ce qui vous amène ici ? Où avez-vous trouvé ça ? Peu importe. Par contre, son pouvoir, lui... Vous le savez ? Ce que je sais me regarde. Ce qui veut dire non, et que vous n'avez rien trouvé. Amanda avait raison. Il fallait être plus attentive à Paraíso. Amanda ? Amanda est morte. Qui vous a parlé de Paraíso, bon sang ? On a fini. Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Tu disais ? Sortez la caféine, les garçons. On a du pain sur la planche. Le travail, c'est la santé. On va pas s'en plaindre. Bon alors, c'était qui ? Tu connais les Rotland ? Au States ? Tu viens de croiser le fils du sénateur, James Rotland. Il a fait West Point. C'est à peu près tout. Tu peux me repasser la séquence ? Bienvenue, Lady Croft. Faut-il préparer votre bagage ou bien le vider ? Winston, regardez donc ça. La ressemblance est incroyable. C'est frappant et pourtant... Et ça ressemble à quoi ? Un objet que j'ai vu il y a longtemps au Népal. Loin de toute culture pré-inca. Et vous pensez qu'il s'agit d'un fragment de l'épée ? Quelle épée ? Plutôt d'une autre du même genre. Zip, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur ce Rotland. Je veux savoir où il se trouve. Au Pérou ? Il a parlé de Paraíso. On pourrait certainement y trouver des informations sur les reliques. Est-ce qu'il a dit sur Paraíso ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a Amanda ? Alistair, vois si tu peux tirer quelque chose de ces images. Zip, tu appelles Anaya et tu arranges un rendez-vous à Paraíso samedi matin. Ils ne me paraissent pas aimer beaucoup les touristes. Faut dire aussi que tu portes des flingues. On ne va pas me reprocher ma façon de m'habiller. Des nouvelles d'Anaya ? Sur la place du marché. Au moins, on va être au calme. Salut, Lara. Tu réalises qu'il y avait foule ici, il n'y a pas 5 minutes ? Et moi qui voulais rester discrète ? J'espère que c'est de moi qu'elles ont peur et pas d'autre chose. Il n'y a rien ici. Que des poteries cassées, mêlées aux cadavres de vieux amis. Si j'avais su que ça te mènerait là, jamais je ne t'aurais parlé de la Bolivie. Et pourtant, tu es là. La Paz n'est pas si loin. Le passé non plus. Lara ! Pars ! Je te rejoins ! Anaya a appelé de son portable. Elle a des mercenaires à ses trousses. Dis-lui que j'arrive. Ok. Quelques années de plus, c'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda n'est pas morte là-dessous. Encore cette vieille histoire ? Pourquoi ? Tu ne comprends donc pas ? Je dois fouiller le passé, trouver des réponses. Je suis ingénieur, Lara. Je construis le futur.
Je ne vis pas dans le passé. Détrompe-toi. Le passé rattrape tout le monde. Lara ! Descends donc, flemmarde ! Jason dit qu'on y est presque cette fois. Une minute, Amanda ! On vérifie que c'est assez solide. Mais tu vas venir, oui ! Ça. Tu es vraiment sûre de ton coup? Cette chose approche. T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégés! Oh non! Si tu veux mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas.